C'est presque un gros mot aujourd'hui de dire qu'on est engagé. Et ça fait très mauvais effet de dire qu'on fait des films engagés, mais évidemment, mais je pense que tout le monde le fait, même ceux qui font des choses molles, ils sont engagés dans la mollesse, c'est dommage. Moi, je suis engagé dans la radicalité. Et d'ailleurs, parfois, j'aimerais pouvoir être beaucoup plus radical que je ne le suis. Je trouve que je m'adapte malheureusement à ce qu'on me demande. Parce que j'ai appris à accepter d'évoluer pas dans mes thématiques, mais dans ma façon de dire les choses pour pouvoir les dire. Je pense notamment à Laïcité Inch'Allah. Ça a été une bagarre avec mes producteurs et mes distributeurs qui m'ont obligé à changer le titre, qui s'appelait Ni Allah ni Maître. C'est une douleur jusqu'à maintenant, hein, d'avoir accepté. Mais voilà le genre de choses que j'accepte de faire que j'aurais jamais accepté avant. Par la suite, ce qui m'a fait beaucoup mal, c'est que tout le monde l'a interprété comme un recul par rapport à la violence des islamistes. J'avais, je pense, l'opportunité d'avoir un film qui allait être bien distribué en France. Et que c'était la condition sine qua non, quoi. Enfin, on vous le dit comme ça, hein, je veux dire, ça finit comme ça. Et si je le raconte, c'est parce qu'au moment où j'ai accepté de le faire, j'ai dit, ok, je le fais, mais je le dirai à chaque fois que je pourrai le dire. Donc je le raconte.